Salut tout le monde, c'est K65 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la suite du Minecraft, du tuto Minecraft pour comment bien savoir débuter. Voilà, donc je vous remontre un peu la maison, hein. Troisième étage, il n'y a rien. Deuxième étage, il n'y a rien. Premier étage, il n'y a pas grand chose, hein. Le coffre est pas énormément rempli. Donc aujourd'hui on va faire plus de minage. On va faire du minage en fait, hein. On va totalement faire que miner, on va rien faire d'autre. Donc on prend de ça et de ça au cas où on tombe sur un truc un peu chiant, genre un monstre, un truc comme ça. Et hop, c'est parti, on commence avec notre petite pioche en fer, hein. On a réussi à trouver du fer. On est des monstres, on est des monstres. C'est grâce à vous tout ça. Alors, le mieux, ce serait peut-être de trouver une grotte. Ouais, le village est facile à voir. Faudrait qu'on trouve une grotte. Genre, je sais pas s'il y en a ici. Déjà, il y a du charbon, c'est pas mal. Faudrait réussir à trouver une grotte. Est-ce que de là on peut. Oh, là-bas, vous l'avez vu. Là-bas, il y a une belle grotte. D'abord, on va prendre le fer. Enfin, le charbon. Hop, on va pas faire de bêtises, hein, et on va tout bien casser. Hop. J'ai pas pris de nourriture. On va prendre la nourriture parce que déjà, on est déjà à l'eau en termes de bouffe. On va récupérer un peu de bois. Enfin, un peu de stick. Comme ça, on pourra faire des. Ah bah, je peux déjà plus courir. Prendre quelques sticks pour faire des torches, hein. Alors, est-ce qu'on a des sticks? Si on a des sticks, on a de la. Oh bah, il y a sûrement de la bouffe là-dedans. Voilà. On va organiser ça. Comme ça. La bouffe ici. Hop. Mange, on mange. Voilà, et là on court. C'est pas pourquoi on court, mais on court. Il faut quand même courir pour aller plus vite à cette mine. Ok, donc on entend déjà une araignée. C'est plutôt pas mal. On se fait une petite entrée comme ça. Pour s'en rappeler, on fait un petit chemin. D'accord, ça va être long à la main, mais on fait un truc qui ressemble à un petit chemin. Au pire, on passe des blocs de terre. Un bloc totem. Ah, je peux pas aller là-haut. Attendez. Nous on fait un totem classe. Je sais pas si c'est classe ça pour vous. C'est classe ou pas? Bon, allez, c'est parti. À l'entrée, déjà, on voit du fer. Pas beaucoup de monstres. Ah, vous avez entendu ce que j'ai entendu là? Alors, sûrement, il y a des monstres ici, là. Non, d'ailleurs, c'est même une demi-grotte, on va dire. On va appeler ça une demi-grotte. Il faudra faire attention à que la nuit, on soit bien. Le bruit devait arriver là. Enfin, arriver là. Par là. Là, moi, c'est pas un nœud creusé, donc c'est plus cool. Hop là! On a torché. On vient de récupérer du fer. Avant, on savait pas faire de fer, parce qu'on en avait trouvé dans le village. Alors maintenant, on sait en faire. Tac. J'espère avoir une bonne surprise de tomber sur une grande faille, un truc comme ça. Cette faille, c'est super intéressant. Oh merde. C'est pas une faille, il y a de la lave. Ah d'accord. Marché. On récupère tout ça. Alors, par où on était tombé? Par là-haut. C'est parti, on va essayer de faire un petit. C'est pas compliqué en fait. C'était juste là. Oh, j'ai cassé la torche. Oh.
ça fait quand même un peu mal quand on tombe. T'as pas grand chose, on met quand même une lumière pour savoir qu'on est passé par là. Alors là on va être bien là, parce que du coup ça va donner plein de charbon. Faut ramasser. Et le fer aussi, bah le fer c'est plus important. Que si on casse, peut-être que si on casse un peu de pierre, on peut se faire déjà un four et faire tout cuire ici déjà. Ça, on se fait déjà nos armures en fer. Ah non, on n'a pas la table de craft, ça c'est problématique. Ah très bien, creeper. S'il peut ouais, exploser, il a rien donné en grand chose, il a pas donné grand chose. Ah donc les monstres sont en train d'arriver en affluence. Voilà, on va mettre un peu de lumière ici pour les dissuader. Ah là, la chauve-souris n'est pas un peu offensive, on peut l'attaquer. Voilà. Pas d'XP, ça n'est pas de mal, même pas d'XP. Ouais, il donnait pas beaucoup de pierres. Oh, j'en ai déjà pas mal, peut-être 13 pierres. Peut-être déjà pouvoir faire notre four. On aura déjà du fer. Ensuite, la lave. Il va falloir se mettre safe avec la lave. Hop. Hop. Voilà. On peut un peu bloquer, c'est intéressant. Donc là, on vient de faire un bout de la grotte, on a déjà 23 minerais de fer. Et là, on peut dire qu'on est bien. Voilà, si on casse un truc, tout tombe. C'est parti pour regarder des petits bouts de la caverne, du coup, parce que là, il y a deux... On inspecte. Alors, ma pioche de fer va bientôt se casser. Bah, dès qu'elle se casse, on retourne. Hein. On retourne en surface. Ok, ici, il y a un petit trou avec d'autres choses. Et ici, je trouve que c'est un peu plus grand. Parfait. Justement, ça donne sur le petit trou. Ah, bonjour. Merci de ne pas faire trop mal, s'il vous plaît. Alors, ici, on a du fer. Hop, on a fini les torches. Bah, ça veut dire qu'il doit faire nuit. Hein. Hop là, j'ai le timing. Est-ce que je fais une DB? Ouais, je fais une bêtise. J'ai entendu l'araignée, ça me dit que je fais une bêtise, si je me coince, c'est mal barré. On retourne à la baraque, et il fait nuit déjà. Ah dommage. Déjà nuit, bon bah on va essayer de rentrer chez nous à la force de nos poings. Enfin de notre épée du coup, parce que les poings font pas grand chose. Ah, en plus il y a des petits lags. Ah. Un zombie et un villageois. On laisse le villageois tranquille, s'il te plaît. Merci. Pouvoir déjà se faire une armure en fer. Et si lui, qu'est-ce qu'il fait dehors? Ils sont en train de dormir. Ils sont censés être en train de dormir. Oh punaise, l'Enderman. Il est rentré? Ou pas? Parce qu'un Enderman, c'est vénère. Hein. Fou, il a pris un bloc de terre. C'est bon. C'est pas chez moi. Hop, on pose ça. T'as vu, j'avais le timing. Bon, pas ouf mon timing, mais j'avais quand même le timing. Alors avec ça, on va déjà faire de la poudre d'os. Hop, parce que la poudre d'os, ça peut être utile pour les plantations. Ah, pour du colorant blanc aussi. Donc on pourra se faire une armure blanche. Tac. Allez, ça cuit. En vrai, on peut dormir, mais ça va pas faire cuire plus vite. On a la teinture rouge, on en a pas besoin. Parce que notre armure en cuir, elle a besoin d'être rouge pour l'instant. Ouais, parce que c'est pour le style. Hop, là, on va se faire des bottes. Donc les bottes, c'est deux à droite, deux à gauche. Non, peu importe si on peut le mettre comme ça, hein, aussi. Voilà, ça change pas. Voilà, on est un peu plus classe, hein.
l'instant, je garde la tunique. Hop, bah, attendez, je vais aller dormir. Darkmoon 65 a réalisé le progrès un corps d'acier. Ah oui, parce que Minecraft, je l'appelle Darkmoon. Ok, donc ça, c'est plutôt utile. Ah oui, d'accord. Ouf, lenteur. Ouh, j'aime pas ces... Ah, j'aime pas ces squelettes. Ouh là là. Ouh, j'aime pas ces squelettes. Plus ils font mal. Oh, des flèches. On va donner un arc? Non, pas donner un arc. J'ai la flèche lenteur. Ou un truc bizarre. Alors, est-ce que les autres monstres qui ont brûlé m'ont donné, ont fait tomber quelque chose au sol? S'il vous plaît. Eh bien non, parce que je ne les ai pas touchés, donc ils sont rien posés. C'est nul, c'est mauvais. Des araignées. Est-ce qu'elles ont spawn sur le haut de ma maison, sur le toit? Qu'est-ce que j'avais dit? Bah attendez, on a assez de fil là pour faire un arc, non? Oui, parfait. Parfait. Alors, hop, petit truc compliqué. Un arc. Je crois que c'est comme ça. Hop, voilà. Qu'un arc, c'est un peu comme un arc. On met la ficelle. Bon, ouais, ça fait comme un arc, quoi. En plus, on a pas mal de flèches. On a 53 flèches. Et une flèche de lanterne, du coup. Ça peut être utile. Ça peut. La flèche de lanterne, on va la garder. Ça peut être intéressant à garder, une flèche de lanterne. Hop. On va manger ça. Hein. Parce qu'on va manger ce qu'on utilise pour aller dans la grotte. Voilà, du coup, j'ai rien à poser. On récupère ça. Alors, le plastron. Hop, on met tout sauf le haut milieu. Voilà. Alors avec ce plastron, est-ce qu'on sera... Ouais, c'est un peu mieux. Est-ce qu'on peut faire les bottes? Ok, non, pas encore. Les leggings, pardon. Pas encore, bon, on va faire ça. Le casque, hein, comme un casque, c'est pas très compliqué, vraiment, les crafts. Donc, un pantalon, hein, c'est 3 ici, 3 ici, et un au milieu. Voilà. Enfin, un au milieu. Hop, il nous en manque encore un peu. Là, je pense que sur le haut, il faudrait faire genre une tour. Comme ça, on a une grande vue sur la... sur toute la vallée. Comme ça, on peut voir des trucs de loin. Ou ça fait un style aussi, quand même. Ah, ça, au milieu, je sais pas ce que je vais mettre. Peut-être que des alambics quand on sera allé dans le désert. Peut-être. Alors, je crois... 6, 7. Voilà. Donc, comme ça, on fait des jambières. On a glissé des geeks. Ben voilà, pour avoir le max, hein, la petite armure, il faut bien sûr toutes les. Il faut l'armure en diamant. Hein. Alors là, on va la sphère. Est-ce qu'on peut se faire deux pioches? On va s'en faire qu'une seule. Peut-être que j'ai dû faire là-dedans. Ah, ok, non, je peux le faire. On va se faire une nouvelle pioche. J'ai pas récupéré. Je les ai mis où? Ils sont mes bâtons. Attendez, pourquoi je les aurais utilisés mes bâtons? Pour faire un arc, j'en ai pas utilisé 15. Attendez, j'avais 15 bâtons. Oh, quel dé... Où est-ce que je les ai mis? Comme un débile, j'ai dû les mettre quelque part où il fallait pas. Pas les récupérer. Non, y a rien. Bâtons. Ouais, ils sont là. Oh, okay. Aveugle. Aveugle. C'est vrai que c'est compliqué à avoir. Je me trouve des excuses. Des excuses, non? Stop, tais-toi. Hop, donc du coup, maintenant on peut faire. Hop, nos torches. 48 torches, et boum. Et on va encore prendre des bâtons. Tac. Voilà. On a nos bâtons. Notre tunique, on en a pas besoin. Lingot, il faudrait pas les utiliser. L'arc et les flèches. Pour l'instant, on va les garder là. Hop, comme ça. Oh, 40 bâtons. Ouais, ça fait mal. Ouais. Ça fait mal quand même. 40 bâtons. On prend la moitié. Oula. On prend la moitié.
Attendez, comme ça aussi. Ok, on en prend la moitié. La pause. Alors, je crois que c'est par là-bas. Je suis pas sûr. Ouais, voilà, c'est là. Oula. Regardez comment on a mis plein de torches. Bah, du coup, les monstres ne sont pas apparus. Eh ouais. Oula. Aïe. C'est parti, on continue par là. On va trouver du plein de charbon. Tout stylé quand même comme grotte, hein, je trouve. On a beaucoup de chance hein, quand même de trouver une grotte là où on est quoi. Un peu, on est un peu. Enfin, la neige, bon ok, il y a deux villages à côté de nous, pas loin de deux villages. C'est pas mal. Ah ouais, ça prend du temps quand même. Ben, du coup, on tombe sur une autre grotte. Ok, ça c'est le problème des grottes, c'est qu'il y a des grottes, c'est qu'il y a d'autres grottes partout. C'est des chemins partout pour donner d'autres grottes. Elles se cassent sur ce bloc de pierre. Sur celui-là. Lui. 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 Voilà. Parfait. On va commencer à mettre un peu de lumière. Alors là, ça tombe. Est-ce que je peux mettre des lumières là? Je peux pas. Hop là. Hop, je me sens en insécurité là. Faut de la lumière. La lumière donne la sécurité. Ça me stresse, y a pas assez de lumière. Ah! Allez, on alimente tout ça. Non, mais non, en plus, ce cri d'araignée me stresse. Pouf. Voilà, regardez ça là. Ce cri là. Je sens qu'il vient de par là-bas là. Démon. Wow. What the hell? Que j'ai entendu, ça vient par là-bas l'araignée. Oh non, il y a de l'eau. Trop bien. Ok, il y a aussi des zombies et un creeper ou pas? Pas de creeper. Bah, il y a juste un zombie. Bon, bah. En attendant, on... Bah, tiens, on se fight. Ah, ben, c'était tombé. Pas fait exprès. En plus, si c'est managé, du coup, tu vas te perdre dans le courant. Hop, on va essayer de mettre de la lumière partout ici. Et ça repart sur de la grotte. Ici aussi. J'en ai marre. Il y a de la grotte partout. C'est abusé. Bon, d'abord, on va revenir sur nos pas. On va reprendre le petit chemin avec l'op des zombies. Ça va péter. Oh, attendez. Ouh, ça sent la faille, ça. Ouh là, vous avez vu comment, hein? Vous avez vu comme moi. Je vais vous remontrer, mais. Et quand tu vois ce genre de bloc, ici, ça peut signifier qu'une chose. Soit que c'est un endroit où il y a plein de loot, soit c'est une faille. Et les failles, c'est bien parce que du coup, tu vois tous les minerais. Regardez là, regardez les planches. Et ces planches-là, ça veut dire qu'il y a peut-être des coffres ou des donjons ou des trucs comme ça. Ça serait intéressant. Bon, en attendant, on récupère. Le peu qu'on peut récupérer. Quand je dis ça, hop là, il y a la musique de Minecraft qui se lance. Parfait, on arrive au bout. Du coup, on peut commencer à récupérer ça. Là, on a quand même beaucoup de chance. Alors, on regarde un peu au plafond s'il y a quelque chose. Non, il n'y a rien. Pop, pop, pop. Pas grand chose. On essaye de finir ce petit chemin. Fini. Avec ça, je sais pas ce qu'on va faire du fer après. Peut-être
Si tu fais ton armure, tout ça, t'en as plus besoin après du fer. On verra, les crafts on peut faire avec du fer. Oula. Tac. Ça commence à venir un peu haut là. Ça dépend, hein. Attendez, on est en faille combien? On est en... Alors on est en 34. Si la faille... Pardon. Si la faille est en 15, peut trouver du diamant. Non, 11, je crois. Je crois que c'est 11 le diamant. Parce qu'il y a des couches spéciales pour trouver du diamant. T'as plus de chances de trouver du diamant sur ces couches. On récupère tout ça. Je crois que je te récupère, je suis pas sûr. C'est pas grave, hein. Il y a plein de trucs. C'est pas grave si on n'en récupère pas un ou deux. On devrait faire des coffres pour le faire, quoi. Coffre spécial fer. Oula. Ouais, y a trop de charbon. Je sais pas si je m'attends sur tout le charbon. Hein. Je sais plus, j'en ai pour la journée. Pour la fin de la journée, du coup, parce qu'il est 16h. 17h. C'est parti, on va commencer directement à... Bah, y aller, hein. Hop. On se fait encore plus de torches. C'est parti. On dirait que t'appelles les zombies, toi. Tu me saoules. Hop, c'est parti. On entame la descente. Le zombie, soit s'il fait poser par là-bas. Ah, ok. Mais d'accord, mais non, mais je vois le genre. Genre, on m'attaque par derrière en plus. Ah, mais aussi il est bloqué. Pauvre. Comment ça a cassé la torche? C'est vrai, j'avais oublié. Bonjour. Là, on esquive. Et là, boum! 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 Ok, il est où? Il est là. Je croyais qu'il y en avait un autre derrière. Des araignées, ça, j'aime ça. Oh! Non, éloigne-toi de mon fer. Éloigne-toi de mon fer. Ah bah, il a explosé. Hop, hein. Vive la gravité de Minecraft. Tac. Il y a du fil, hein. Je crois que le fil, si on le casse à la main, ça doit être du fil. Enfin, du fil, pas des toiles d'araignée, quoi. Toucher de soi, je crois ça. Je crois si on met toucher de soi sur une arme, et ben on récoltera toute la toile. Un truc comme ça, non? Ah ouais, mais là, wow, les toiles. Ok, donc en plus ça donne rien. C'est cool. Mais attendez, il y a du fer là, j'avais oublié. Bah, il est où? Ah, il y a un zombie. Trop cool. Donc là, hop là, hop là. Ah non, si c'est cogné du coup. Oh, regardez. Oh là là, je la sentais cette faille. Oh, ouf. Ou en plus elle est grande cette faille. Ouh là 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 là. Bon là-bas il y a... Oh attendez, je crois que j'ai vu une émeraude. C'est de l'or. De l'or. Ce qui donne des minerais d'or. Non, ce qui donne de l'or quoi. Oh un zombie. First fight. J'attends, tu passeras pas cette ligne. Bah, je suis obligé de la dépasser moi pour aller te tuer donc tu m'excuseras mais j'ai pas ton temps. Hop là, ça on récupère. Ouf, ouf, là on est bien là. Cette séance de minage plutôt pas mal. C'est pour ça qu'il faut miner dans les mines. Foufou. Voilà, c'était. Regardez jusqu'où ça va. On va essayer d'aller à l'endroit où il y a plein de toiles d'araignées. On essaye. Alors, venez dans le prochain épisode, justement, on fait ça. Là, on mine un peu, et après, on va tester ce qu'il y a. On va voir ce qu'il y a après le. Ce qu'il y a dans le truc. Hop.
Je suis très précis, moi, attention. Alors. Oh, mais regardez! Regardez comment c'est beau! Bon, par contre, toi, tu vas pas péter, je te le dis. J'ai pas d'arc. Dommage, j'ai pas Dieu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les araignées, parce que les araignées peuvent monter. Ah, ouais, on les voit pas, les araignées. Oh! C'était une araignée. Oula! J'ai vu qu'il y avait de la lave en dessous. Voilà. Je sais pas si ça vient de là-bas. Est-ce que ça vient de là, hein? Oh. Ça, c'est du loot ou pas, ça? Ça, qu'est-ce que... Oh, pomme d'or. Oh, des rails. Des rails, on peut faire un petit truc drôle, hein. Et de la bouffe. Enfin, des graines, quoi. Eh, on est bien là. Ouh. Ah, t'es où? Qu'est-ce qu'il y a encore? T'appelles des monstres, c'est ça? Ah, c'est les chauves-souris, ils appellent des monstres. Je sais pas du tout, mais bon. On va dire qu'elles appellent des monstres. Comme ça nous fait une raison de les buter. Bonjour. De la lave. Très bien. Pas de monstres. Ça n'a pas l'air. On récupère, hein. Voilà. Qui dit lave généralement? Attendez, attendez. Quand même, il faut savoir quelle couche. 24. Ce qui signifie peut-être que le bas de la faille s'étend sur la couche 11, peut-être en dessous même. Et ça, ce serait bien, ça. Allez, on visite. Peut-être que là, on va encore avoir un coffre sur le côté. Eh bien non. Eh bien non, pas de coffre. C'est dommage. C'est bien dommage. Ah ouais. Il y en a plein, là. Ça doit être un spawner qui est pas loin. Donc, un donjon. Donc, une armure de cheval. Oh, non, c'est ici qu'elles sont. Coucou. What the hell? Oh punaise, je l'avais pas vu. Ah, elle a fait péter. Du coup, je repose une torche. Non, mais pète pas à côté de ma torche une deuxième fois, quoi. Et vite, s'il te plaît. Merci. Allez, faut taper, reculer. Comme ça, elles explosent pas. Hop, du coup, on se reprend la poudre à canon. Alors, on essaie de pas se faire exploser sur le côté, quoi. Hop, on réveille les araignées, hein. Pas les araignées. Du lapis lazuli. Ça, c'est parfait, ça. Bonjour. C'est pour une demande. Bah oui, bah, elle a accepté ma demande. Qui était, logiquement, hein, se faire buter. Alors, je pense que juste derrière ça, il y a de la lave. Mais bon. D'accord, donc même derrière le lapis, c'est de la lave. Cool. On la récupère. On récupère vite. Vite. Et on met un bloc. Oh non, mais quel débile. Hop. On met de la terre. Pierre, 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 pierre. Ça, on récupère. Et on met la pierre. Hop. On récupère et on met la pierre. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, encore un peu d'or, ça ferait plaisir. Ça ferait plaisir. Oh, encore. Encore du fil, moi ça me plaît, hein. Je veux du fil. Je sais pas à quoi ça va me servir, mais j'en veux. J'ai cru voir un spawner. Non, j'ai juste vu des yeux rouges. Ah, là-bas il y a aussi une araignée. Bah, elle est tombée. Là-bas, il y a une araignée. Oh, attendez, ne me dites pas que c'est une araignée bleue. Oula, c'est une bébé araignée. Oula, elle est vénère. Poison, oh, poison, tu connais. Hop là. Ça, on appelle ça la mort lente. C'est le poison. Fin du poison. On récupère là. On récupère en mangeant de la bouffe. Tac. Mais dans la vraie vie, hein, pensez pas que vous avez gagné des. Oula! Elle, si. Je l'avais pas vue, elle m'aurait sauté dessus. Elle m'aurait peut-être défoncé. Vous voyez pourquoi cette araignée est coincée? Parce que les araignées peuvent grimper. Et donc ne se cognent pas. Alors, un peu de diamant. Si on pouvait en voir, ça ferait plaisir. Donc, on ne peut pas avoir de diamant. Très bien. Bah, ce sera pas pour aujourd'hui. Surtout ne pas se faire défoncer par des araignées. Bah, du coup, il y en a une juste là. Je l'ai entendu. Coco.
Oh, un spawner. Parfait. Casse un spawner. Tac. Et là, on se met bien parce que du coup, on va chercher le coffre. On va le trouver. Et là, on va être bien. Donc, c'est avec une épée qu'on casse et que ça donne du fil. Voilà. Voilà. Donc, j'avais une épée sur moi. Mais je voulais pas utiliser mon belle épée en fer pour ça. Ça aurait été du gâchis. Est-ce que c'est un donjon? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai plein de fils. Bonjour à bébé araignée bleue. Qui va faire très très mal si je m'en prends une. Bah voilà, je me suis pris un coup. Quelle intelligence, mais quelle intelligence. La pomme d'or, on va pas la manger tout de suite. Non mais en plus, il y a des zombies qui se pointent là. Hop là. Et ouf là, ouf là, ouf là, ouf là. Et bah je pense qu'on va s'arrêter ici. On va s'y arrêter ici pour aujourd'hui. Donc là on a bien miné. On a même un peu trop miné à ce que je veux dire. Si on trouve du diamant, ce sera pas la fin de la vidéo tout de suite. C'est du charbon. Du coup ça va être la fin de cette vidéo. Le temps que je rentre, que je fasse fondre tout ça. Faire un petit point sur ce qui s'est passé. Intéressant surtout. Parce que ce qui s'est passé de mal, je vois pas. Alors, il faut trouver la sortie. Ça, c'est plus compliqué. Si j'avais une boussole. Très bien. Bah là, on n'a pas, on n'y est pas allé. Du coup, on va pas y aller. Là, le coffre, on avait déjà vu qu'on avait tout pris. Là, le but, c'est de sortir. Je crois que c'est par là. Oui, avec l'eau. Parfait. C'est bon, je connais la sortie. Ah, on n'est pas allé de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Hein. On a une faille. Ouais, on se contentait de la faille. Non, mais dites pas qu'il y a des zombies qu'on spawn alors que j'ai mis plein de torches. Peut-être qu'ils ont été attirés par la lumière. Sinon, c'est qu'il fait nuit. Pourquoi j'ai fait le tour? Je ne sais pas. Et je suis tombé. Si il fait nuit, je le sais. Oh bah tiens. Te voilà, toi. Oh, t'es mort. Oh mince, il y en a encore un là. Aïe. 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 Aïe, non pas derrière encore. Mais oui, mais ils sont combien? Comment ils font pour spawn alors que j'ai mis plein de torches. J'ai mis des torches là-bas, j'ai mis des torches là-bas. Il fait nuit, mais j'espère qu'il fait nuit, c'est sur le seum. Parce que si je sors alors qu'il y a des araignées dehors la nuit. Alors, maintenant, on va chercher la fin. Très bien, bien, il fait jour. Ça doit être, la nuit a dû se passer. Bon, on finit notre côtelette. Et voilà. On est de retour avec 59 de fer et 4 d'or, un peu de lapis-lazuli. Donc bon, plus qu'un truc de diams pour se faire une table d'enchant. Hein. On a tout ce qu'il faut. On va commencer par l'or. Et on va faire, je pense, peut-être une ellipse. Là. Parce que ça risque d'être un peu long. Donc je vais faire une ellipse maintenant. Allez, à toute. Re. Donc après 20 minutes d'attente, le fer va enfin se terminer. Et donc les lingots de retour ont été terminés aussi. Là, je peux vous dire que là, je suis heureux, quoi. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance d'être tombé sur ça directement. Donc avant de finir la vidéo, on va un peu regarder ce qu'on peut faire avec du fer. Tout ce qui est craftable. Alors, des trappes, de la teinture bleue. Du lapis lazuli, c'est pas intéressant. Muret en diorite, plaque de pression. Profondeur légère. Un seau, bloc de fer. Dalle de diorite, cisaille, pépite d'or, escalier de diorite. Hop, on fait un peu de tout. Hein. L'oritipe de lazuli, diorite poli. Non, non, il n'y a pas grand chose d'intéressant à faire en fait. Ça, par contre, il faut une plate de pression du coup. Ah. Ah. Arbalète. Ah bah on a du fil, on a beaucoup de fil, 34 de ficelles, ah ouais quand même,
Ah ouais, là on est bien. Bague d'émeraude, on a zéro émeraude. Peut-être qu'on va se pousser des trucs. Attendez, je vais aller voir dans le village. S'il y a des choses qui ont poussé. Parce que du coup, c'est intéressant. Si quelque chose a poussé. Regardez cette armure, regardez cette classe. Il n'y a pas du tout de classe quand tu portes une armure comme ça. Alors, tac. Hop. On replante. On replante. Tac, on replante. Voilà, donc les patates, hein, c'est très facile à faire. Quand elles sont bien prêtes, t'en casses une. Du coup, ça en fait spawner plein. Et du coup, t'en poses une. Je sais pas comment ça fait pour que ça soit mouillé. Parce que c'est un monde un peu gelé, quoi. Mais bon. Mince, j'ai fait une bêtise là. Hop. Hop, 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 on récupère. Est-ce qu'il y a un fermier qui va nous demander de lui vendre? En vrai, ce serait intéressant s'il nous demandait de lui vendre. Donc là, nous, déjà, ça nous fait un peu de. On sait un peu quoi mettre dans nos plantations, quoi. Mince, du coup, je viens de poser tout mon. Hop. 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 On plante que des patates là, c'est des carottes là. Hop, la carotte, là c'est patate. Pas trop de patates, j'ai plus de 64 patates. Hop, là, plein de patates. Alors toi, est-ce que tu veux vendre? Toi, tu vends des côtelettes de porc contre des émeraudes. Plutôt intéressant, hein. Côtelettes de porc. Hop, non, y a rien. Personne. Oh, attendez. Truc avec l'arc là. Oh, on a une pomme de terre empoisonnée. Bah tiens. Et si on la mangeait? Si j'ai plus de. Ouais, moi je suis pas. Je demande pas beaucoup. Hein. Si j'ai plus de 5 pouces bleus sur cette vidéo, je mange cette pomme empoisonnée. Et dans la faille, je vais combattre des araignées. Sans armure. Sans épée, ça dépend. Parce que vous là, vous choisir dans le chat. Ouf. Des boutons. Alors lui, toi, tu vends. D'accord, il en faut 20. J'en ai 2. Mais bon, c'est pas grave. Je vais pouvoir bien farm et en avoir beaucoup. Tout coûte aussi, tu les ramasses? D'accord. On a bloc de neige. Comment j'ai fait? Ah oui, c'est vrai, bloc de neige. Alors, toi, tu es un maçon. Donc, toi, tu me donnerais des briques. Je ne veux pas de briques. C'est vrai, je crois que. Non, je vais pas demander des briques quand même. Merci de pas m'enfermer avec toi, s'il te plaît. Bah voilà, du coup, hein, je pense qu'on a tout fait, on a fait le tour. On a fait le tour, on va poser. On va mettre ça dedans, on va voir ce que ça fait. Oh! Oh! Ça fait de la poudre d'os! Oh! Encore de la poudre d'os, trop bien! Est-ce qu'on met la pomme de terre? Non, on peut pas, on peut pas. Un truc méchant pour le corps, on peut pas. Très bien, pas bah, trop bien, on a plein de poudre d'os du coup, on va pouvoir faire. On n'a pas du tout plein de poudre d'os, mais bon. Mais bon. Hop, carotte. Ah non, ça, il faut mettre dans un coffre à part, ça. Est-ce qu'on a. Non, on n'a pas. Planche. Tac. Oula. Tac. Et on peut plus. Très bien. Bon, on va mettre la coffre tout en haut pour faire notre petite. Là, on va mettre tout ça. Là. Il n'y a plus rien là. Poudre d'os aussi, parce qu'on a. On organise, on organise, on organise. Encore de la poudre d'os. Pousse de chêne. Pousse de savoir. Du coup, je vais faire pousser des chênes et des sapins sur ma maison. Hop là, pousse d'acacia. Ça, on peut tout reposer. Hein. On a besoin de rien. On aura besoin de la terre.
Ah, l'épisode prochain, on avait dit qu'on finirait la grotte. On finira la grotte. Ce sera encore l'épisode d'après où on fera notre. Je vais finir avec le gold en main. Ah, parce que c'est intéressant quand même. Dans mon inventaire, on va finir comme ça. Voilà. Et ben on a fini. Attends, moi je balance du gold tellement je suis riche. Attendez, comment on avance comme ça? Hop, c'est bon, j'ai récupéré les 4. Et aussi une pomme d'or. Voilà, une pomme dorée. Attends, elle est améliorée la pomme dorée? Enfin, elle est enchâssée. Non, c'est bon. Là voilà. On va finir sur ça. Hein. On va finir sur cette jolie faille qu'on a trouvée. Hein. Magnifique faille. Voilà. Voilà le micro à peu près. Voilà, donc on va finir sur cette faille. Pensez à vous abonner si vous avez aimé cet épisode. Pensez à lâcher un max de pouces bleus. Donc j'avais dit 5 pouces bleus si vous voulez que je fasse. Vous pouvez me donner un défi au choix pour aller faire la faille. Et pensez aussi à activer la cloche si vous voulez recevoir toutes les notifications de toutes les vidéos que je fais. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous êtes c'est la première fois que vous regardez de mes vidéos, bah je fais du League of Legends, du Minecraft. Pas mal de jeux sur téléphone aussi. Voilà. Allez. Salut.